toujours les petits calamars. J'avais pas trop d'inspiration, donc c'est un peu le désert pour moi pour cette nouvelle vidéo, mais je vous promets qu'au moment où je récupérerai cette vidéo sur mon ordinateur, j'aurai un sujet à vous annoncer, mais là je suis en train de chercher pour l'instant. Je suis un peu paumé. Je suis un peu dans la merde. Non, en fait, je suis vraiment dans la merde parce que je suis vraiment perdu en fait. Donc, bon, bah. Bonne vidéo en tout cas. Enfin, si. Enfin bon. On se comprend. Je vais partir par là. Bah, j'ai trouvé, c'est l'ultramorphe. Coup de bol. Waouh. En revenant là sur le trajet, ultramorphe. Donc, 5 faits sur l'ultramorphe et ça commence tout de suite. Et avec le premier fait, on va parler de l'aspect physique de la bestiole. L'ultramorphe est un xénomorphe issu du fruit de l'union entre un ingénieur, space jockey, et un facehugger. Et forcément, comme les autres xénomorphes, l'organisme parfait prendra les aspects de son hôte. Ici, eh bien, chez l'ingénieur, cela sous-entend tout d'abord une taille immense, environ 4 mètres de haut, et aussi une intelligence supérieure aux spécimens issus d'animaux ou encore d'humains. Bon, après, il faut admettre que les ingénieurs se sont fait dégommer par un grippin renégat en manque de reconnaissance, mais bon, admettons. Mais admettons. Il possède par ailleurs des globes oculaires massifs et visibles en forme d'amande, qui rappelleront sans aucun doute ses liens avec les ingénieurs, et il dispose aussi d'une force décuplée. Et d'ailleurs, les yeux, c'est aussi une petite référence au premier croquis du xénomorphe dessiné par H.R. Giger lors de la pré-production du premier film Alien. Et en parlant de film, vous apprendrez que la créature devait à la base figurer dans Prometheus. Elle était en effet prévue dans le premier script du film, mais elle fut retirée au profit du Deacon. Aussi, cela soulève une question. Si dans Alien, le premier film, l'équipage du Nostromo tombe sur le Space Jockey qui présente une blessure aux côtes symptomatique d'un chestburster, qu'en est-il de la créature sortie de ses entrailles? S'agissait-il d'un Deacon ou d'un ultramorphe? Alors bien sûr, si les films ne touchent en aucun cas l'ultramorphe, on peut toujours compter sur l'univers étendu et bien évidemment les comics pour aborder le sujet de l'ultramorphe. Enfin, pas directement, c'est ce qu'on va voir dans le troisième fait. Et oui, laissez-moi vous parler du comics Alien Apocalypse The Destroying Angels, qui nous présente pour la première fois un ultramorphe, bien que présenté sous le terme de Destroyer. La créature, d'un aspect blanchâtre, est tout à fait similaire à son homologue ultramorphe, fruit d'un facehugger et d'un space jockey, etc., etc. Et d'après le comics, le spécimen serait apparu 1 million d'années avant les événements de l'ouvrage. Les bestioles avaient quasiment réussi à éradiquer les ingénieurs de la galaxie, et eh bien, ils étaient à deux doigts de devenir la race dominante. Et c'est plutôt effrayant quand même. Et d'ailleurs, putain, enfin, pourquoi les films ou même les séries ne s'inspirent pas des comics, bordel, il y a des histoires de ouf à raconter. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de lire ce comics, et je pense que je vais le commander incessamment sous peu. Mais j'en découvre à chaque fois que je fais des vidéos, de toute façon. Mais bordel de merde, l'histoire est folle, quoi. Pourquoi les films se posent pas là-dessus? Il y a une espèce de rejet de l'univers étendu des comics, un peu comme l'avait fait Star Wars avec les bouquins qui sont passés en légende maintenant. C'est extrêmement dommage. Et avec le quatrième fait, vous apprendrez que l'ultramorphe déteste ses congénères xénomorphes, puisqu'il serait dépeint dans le comics comme ne supportant pas ses congénères xénomorphes. C'est un sale gosse enfant unique. Et pour conclure, on va parler jeux vidéo, puisque on peut retrouver notre ultramorphe en tant que Destroying Angel dans le petit jeu Alien Infestation paru sur Nintendo DS. Le joueur se verra combattre un xénomorphe ayant infecté un space jockey, et la bestiole ressemblera en tout point à notre bon vieux ultramorphe. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. Alors, ça me fait un peu chier parce que j'avais filmé une outro dans le sous-marin nucléaire que j'ai visité il y a 48 heures quand j'étais aux Pays-Bas, à Den Helder. Et malheureusement, le fichier est corrompu, donc voilà. Donc soit je publie le truc avec juste le son, soit j'y retourne maintenant et je filme tout en moins d'un quart d'heure. On va être raisonnable. Donc voilà, je fais une outro comme ça. Je suis un peu désolé de voir ça. Donc iCloud déconne à plein tube et corrompt les fichiers. C'est trop bien. Voilà. Après moi qui me... Alors, je vais vous laisser sur une note un peu différente. Je tenais à vous dire aussi que j'ai contacté Salvador Sanz, qui est l'auteur de Mega,
et que je vais peut-être, c'est pas sûr, mais que je vais peut-être pouvoir l'interviewer pour savoir un petit peu plus d'où il tient ses inspirations par rapport à Mega, tout ça. Donc ça peut être très très sympa. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais je suis très très emballé par rapport à cette idée. Et ça se fera en partenariat avec les éditions Il Latina. Mais ça reste à voir. En attendant, eh bien, commentez, partagez, likez, et on va débattre dans les commentaires. Portez-vous bien, bonne rentrée à ceux qui sont rentrés, et bon courage pour cette nouvelle année, et le bon vieux Xeno vous accompagnera les soirs après vos dures journées d'études ou de travail pour vous raconter des âneries sur les xénomorphes. Bisous à tous les calamars, et merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très vite.